Fais bien le silence partout, s'il vous plaît, pour une répétition. Allez, c'est bon, Berthaud. Attends. 36, il fallait surprendre, et là, j'ai pas le droit de décevoir, quoi, voilà. Non, mais moi, ça m'intéresse pas, hein, je trouve pas ça beau, moi. Le stress, il est chaque jour, il est grandissant. Je veux pas qu'une séquence retombe un jour, je veux être à la hauteur, pour l'instant, de ce qui se fait. Ok, moteur. Moteur demandé. J'ai 2 semaines et demie en moins de tournage que 36, donc c'est un film qui est très dur à faire, quoi. Action ! Ouais, t'es dans l'armoire, là. Ouais. Olivier a besoin de raconter ces histoires qui sont très, très personnelles, très proches. C'est plus joli quand tu fais un film comme ça. Puis il y a ce mec qui est dans son placard comme ça et tout, c'est super. Les personnages ne sont pas des personnages caricaturaux, quoi. C'est des vrais humains. Attention pour tout le monde. Je suis pas prêt du tout. C'est bien écrit, hein. Il y a qu'à rentrer dedans. Bon, je file ça à qui, moi ? Kowalski. C'est lui le nouveau directeur d'enquête. T'es faire passer par cet enculé ? Je comprends pourquoi t'arrives plus à chier droit. Je te paye un verre ? J'essaie de diriger les acteurs de façon à ce que ça soit le plus poignant et le plus vrai possible, mais j'y remets toujours une couche de tragédie, on va dire, pour que ça soit cinématographique avant tout, quoi. Tiens, je suis sur le cul, tu m'en as fait 3 de suite bonnes, glissant, sans erreur. Je t'ai dit, c'est les seules scènes que t'as su écrire potable. T'es le mec l'enfoiré. Vivienne aime bien se mettre en scène à la place du comédien et de jouer le rôle. Fais-le quand il dit le groupe Kowalski, c'est lui qui est chargé de l'enquête. Ah, tu t'es fait passer par Batman, je comprends, t'arrives plus à chier droit. Il le joue, mais il impose pas la façon de jouer. T'as un côté un peu comme ça, qui est pas... Hein. C'est pour qu'on me voit mieux. Oui, quand on te voit mieux, on te voit. On te voit déjà beaucoup trop dans ce film. Dès que c'est terminé ou entre les prises, il y a une forme de détente et qui est nécessaire pour pouvoir faire après l'autre scène. T'as goûté ce midi le truc qu'on a eu au... Le truc, c'était un petit peu de l'aïoli et des trucs... Fais l'éléphant pour M6. Fais l'éléphant. C'est Daniel qui mène. Ça se passe dans la bonne humeur, dans le doute, dans l'excitation, au gré des humeurs d'Olivier Marchal, oui. Ok, on dégage le champ. Gros con. C'est de nous faire chier ces journées là-bas. T'en as pas fait une bonne, le texte a jamais été bon à aucun moment. Quand c'est sur ta gueule, tout va bien, mais... Bon, sinon, je serais jamais monté. Ancien flic, comédien et réalisateur. Il est complet, ce mec-là, foiré. En fait, il me dégoûte. Vous avez vu, de toute façon, il y a une ambiance de merde. Hein. Moi, je dis que c'est un truc qui ira pas jusqu'au bout.